Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Multi Gaming. C'est Benin, on se retrouve pour le 27e épisode de The Witcher 3. Donc allez, ce qu'on va faire aujourd'hui, tout d'abord, c'est qu'on va faire cette quête là, réparer tous les hôtels endommagés. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une femme qui nous a dit de réparer les hôtels qui ont été endommagés. Des hôtels de Dieu, donc je suppose que c'est. Donc on va faire ça. On va Celui-ci aussi a été vandalisé. faire le premier. Ok, donc le premier fait et le deuxième est plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est que. Oh, je vais bouger mon micro. Ce qu'on va faire, c'est que en y allant, on va faire un peu ce qu'il y a comme secondaire sur la route. Si on croise. Si on croise bien sûr. Hein. Si on croise rien, c'est pas grave. Donc on a croisé quelques trucs sur notre route, mais le souci c'est que c'était pas à notre niveau. Donc. Parfait. Hop. Ok. C'est vous qui détruisez les sanctuaires un peu partout dans Velaine. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et vous, qu'est-ce que ça peut vous faire? Nous sommes les visionnaires de la foudre. De lourdes gouttes qui tombent de la nuit. Cette foudre s'appelle le surhumain. Ok. Les habitants disent que les dieux sont mécontents. Vous ne craignez pas leur colère? La colère des dieux? Mais les dieux sont morts! Il ne nous reste plus qu'à enterrer leurs cadavres pourrissants, vestiges faisandés de superstitions pernicieuses. Si ça vous chante. Mais d'abord, vous allez me nettoyer tout ça. Ensuite, vous rentrerez chez vous, enterrez tous les vestiges que vous voudrez. La religion est l'opium du peuple. Les dieux sont morts. Ainsi a parlé Maître Friedrich d'Oxenfurt. Le peuple ne craint pas les dieux, mais les prêtres. C'est cette peur qui nous entrave dans les chaînes de l'ignorance. Il ne tient qu'à nous de forger une moralité nouvelle. D'abandonner toute moralité. On peut pas laisser vandaliser. Ce petit spectacle commence à m'ennuyer. Partez d'ici, tout de suite. Sinon quoi? Sinon je vais le dire à la maîtresse. Répression! Pour fonder l'esclave du système. Ok, donc ah, ok, donc c'est à main nue, combat à main nue. Donc nous on est spécialiste de la castagne bien sûr, on connaît. Ok, donc ça fait 2 en moins, 3, encore un. Ah, c'est un étudiant, ok. Tu vas retourner réviser, allez, dégage. Ok. Ok, donc on est à l'arbre du pendu. Donc qui est juste là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une quête là-bas. Donc il faut le contrat. C'est un contrat. Donc c'est monstre de la forêt. Donc il faut parler à un commandant au poste de garde. Donc on va y aller directement. Là, il y a. Oh là là, fablette, sérieux. Donc j'ai vu qu'il y a une personne à libérer ici. Donc ce qu'on va faire, on va la libérer. Doucement. Elle est ici. Hop. Allez. Ok, c'est parti. Non. Change de pied. Non. Ok. Ardeur, là, c'est le mieux. Allez. Ok, donc ça fait un en moins déjà. Donc faire attention aux flèches ici, là. C'est bien qu'il y a des flèches. Ok, attention. Les archers, c'est très très chiant. Ok. Ok, il est bon. Allez. Essayer de tuer l'archer en premier.
Ils sont pas très solides les archers, mais ils sont très très chiants. Allez. Ok. Ok. Amène-toi. J'ai pas réussi à parer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Donc maintenant, voilà, il faut chercher la clé et libérer ce monsieur. C'est un marchand. C'est bon. Allez, parle-lui. Tu peux? Non, je peux pas. C'est un marchand d'où? Ah, ok. Près du pont qui traverse le Pontard, ok. Bon, ben, ok. Ok, bon, ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on peut y aller. On va aller voir le poste de garde qui est juste à côté. Ah, la blette. Prends la blette. Ta blette est perdue. Perdu la blette. Ok, donc on y a... Alors, il y a un point point d'exclamation, pardon. On va aller le voir. Voir un peu ce qu'il nous dit. Il est où? Il est là. Chercher un laissez-passer, vous trouverez pas moins cher ailleurs. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser-passer? Les Rédaniens tiennent tous les guets sur le Pontard. Personne ne peut traverser sans un laisser-passer. Et si ça vous intéresse, je peux vous en vendre à un bon prix. Quoi? À ce prix-là, je pourrais m'habiller comme Radovid et m'offrir un carrosse doré en prime. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas mon problème. Je refuse. Hé, hé, attendez! Si ça vous tente, j'ai un petit travail pour vous. Et en échange, je pourrais vous faire un rabais. Quel genre de travail? Pas loin d'ici, au sud-est, le mari de ma sœur a monté une petite affaire. Lui et ses gars, comment dire, nettoient les champs de bataille. Le problème, c'est qu'ils tombent toujours sur des saloperies de monstres, des nécrophages. Si vous acceptez de les protéger, je vous ferai une belle ristourne. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, donc une quête à faire. Donc alors, on va voir l'autre déjà. Il est où? Commandant. C'est lui? Non. C'est lequel? C'est lequel? C'est lui? Ouais, c'est lui. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis ici pour la vie. Vous avez un problème de monstre? Un problème? Elle est bien bonne. C'est pas un problème, toi. Tout un tombereau de merde. Hein, va savoir quoi, rôde dans les bois et s'attaque à tous les convois qui ont le culot d'emprunter la grande route. On est à court de carreaux, de flèches, de vivres. La merde totale. Envoyer une patrouille, on les a jamais revus. Le boulot est simple. Amenez-moi la tête de cette saloperie et vous aurez la prime, comme sur l'annonce. Inutile de marchander. L'intendant voudra rien savoir. Et je peux ajouter un sauf-conduit qui permet de franchir le Pontard. Marché conclu? Ça me semble honnête. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, donc on va examiner. On va aller au site du convoi. Voir un peu ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est parti. Ok. Ah, des Al'Ghul. C'est des Al'Ghul.
Au niveau 5, on avait jamais vu d'Algoul. Ok. Donc d'Algoul, c'est un peu des ghouls, mais en amélioré. Ça sort des pics. Et si on les tape quand ça sort des pics, ça fait mal. Donc il faut utiliser Axi pour qu'ils rentrent leur pics. Voilà, c'est tout. C'est des ghouls améliorés, quoi, des Algoul. C'est un peu ça. Ah, alors. Il ne reste rien. Soit quelqu'un a volé la cargaison après l'attaque du monstre, soit notre bestiole collectionne l'attirail militaire. Ah, donc c'était pas les Algoul, les monstres, ok. Dedans, les nécrophages s'en sont donnés à cœur joie, et toutes ces plaies sont post-mortem. Ah, ok. Traces de pas. Un survivant. À moins que le monstre soit humanoïde. Ok, donc des traces de pas qu'on va suivre. Ok, c'est où? Elles sont? Ah, il y a un autre truc là. Des traces de griffes. Mais ici, une flèche. La tige a été brisée à ras. Ok. Quelque chose ne colle pas. Suivons ces traces. Ok, donc il va falloir suivre les traces. Donc, à ce que j'ai compris, ça... c'est bizarre. Ça doit être bizarre. Donc ça doit être peut-être quelqu'un qui a fait ça, qui a fait le coup. On va voir. Ah. Je devrais jeter un œil aux alentours. Des noyeurs, déjà. Oula, il va me taper lui. Non, mais pas. Ok, noyau niveau 4. Oh, ça va, c'est pas ouf. Oula, dégagez les gars. Hop. Ok. Ça, c'est bon. Ok, des traces de pas encore ici. Il y a un village pas loin, donc peut-être qu'il allait dans le village. Ouais, je pense. Ok. Ah. Un pas de plus, et tu te retrouves avec un trou tout neuf dans la tête, Doin. Que viens-tu chercher? Parle. Je dois parler à ton commandant. C'est important. Je ne te fais pas confiance. Je m'en suis douté dès que j'ai vu ton arc pointer sur moi. Et tu m'as toujours en ligne de mire. Je n'ai aucune envie de tenter un truc idiot, tu peux en être sûr. Je serai tout à fait tranquille quand tu m'auras passé tes armes. Les deux épées. Donne-les-moi et je te conduis à Vernociel. Ok. Très bien, je te suis. Vadgern? Bizarre. Nous n'avons vu aucun monstre. C'est fort possible, mais les Redaniens sont convaincus qu'un monstre rôde dans ces bois. Ils m'ont engagé pour le tuer. Eh bien, ils se trompent. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Il n'y a pas de monstre dans les parages. Pas de boulot pour vous. Ce n'est pas un jeu. Des hommes sont morts. Des soldats sont morts. À la botte de Radovid. De l'homme qui tourmente les Enseïdes depuis la Grande Mer jusqu'aux Montagnes Bleues. Des soldats qui ont pris part à des massacres, torturé nos frères, violé nos sœurs. Je ne les pleurerai pas. Et pas question d'arrêter les attaques de convoi. Nous devons manger, tout comme vous. Voici tes options. Partir d'ici et oublier ce que tu as vu, ou mourir. Je sais pas. Fais comme bon te semble, je ne tiens pas à m'en mêler. Rendez-lui ses affaires et ajoutez un petit quelque chose provenant des convois. Toute sage décision se doit d'être récompensée. Va faire. Ok, donc on va aller retourner voir le garde.
Bon, c'est pas mêlé, on a choisi de pas se mêler. Pour une fois qu'on se mêle pas des affaires qui ne regardent pas. Pour une fois, ça va pas arriver souvent, donc faut profiter. Alors attendez, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Descends s'il te plaît. Il y a quelque chose ici. Ah, des loups. Des chiens. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Sortez, je ne vous ferai pas de mal. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? Une semaine. Un demi écureuil grillé et une poignée de pain. Qu'est-ce que vous faites seul ici? Où sont vos parents? Ceux qui ont survécu aux escadrons nous ont chassés. Trop de bouches à nourrir, ils ont dit. Incroyable. Tiens, n'oublie pas de partager avec les autres, hein? C'est pour nous, vraiment? Merci. Tenez, prenez ceci. Vous êtes gentils. Ok. Donc, nickel. Donc, on les a libérés. Il y a une poupée. dans la peau de la bête. Ok, donc si vous voulez lire, allez-y. Ok. Alors, monsieur le garde. Bon, voici enfin. Alors, ce monstre. Il n'y a pas de monstre dans les bois. Juste des scoyatelles. Des scoyatelles? Vous croyez débarrasser de cette vermine? Ils ont eu leur compte? Je chasse les monstres, pas les elfes. Mais je ne pleurerai pas s'il leur arrive malheur. Évidemment. Un bon non-humain est un non-humain mort, disait mon paternel. Pas de boulot, pas de récompense. Et voici le sauf-conduit qu'on fait. Pour avoir informé les autorités compétentes. On va s'occuper de nous. Ok. Bon, alors, ce qu'on va faire, quête. Alors, un peu ce qu'il y a. Quête, ouais, il y a quoi? Bûcher de Novigrad, faudra aller voir Triss. Donc, vous allez voir Triss. Faux papier, donc, renseignez-vous sur ce dont le beau-frère de Faussaire a besoin. Donc, alors, on va faire ça, vite fait. Donc on va aller voir le beau-frère. Je me rappelle pas. Alors attends. Méditer. Non, pardon. Comment ça je peux pas faire ça maintenant? Oh, fichu. Ok, donc il y a. Bon, il faut. Non, tant pis. Faut pas méditer. Il faut essayer de les protéger. Niveau 9. Il est là. Allez. Dégage. Ok. Donc ça c'est bon. Donc. Monsieur. J'ai du boulot pour toi. Tu m'as tout l'air d'un sorceleur. Tu me trompes? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des nécrophages dans le coin. On peut pas bosser tranquille. Débarrasse-nous deux et on te donnera une part. Allez. Entendu. Donc, c'est pas... En vrai, c'est pas une quête facile. Donc, il faut protéger les... ceux qui récupèrent des trucs sur les monstres. Sur les cadavres, pardon. Donc, il faut les protéger. C'est pas évident, évident en vrai. C'est pas. J'ai déjà. Dans les anciennes parties que j'ai fait, j'ai souvent échoué celle-là. Enfin, souvent. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'échouer. Et de recommencer. Parce que ils peuvent mourir très vite. Enfin,
Faire très attention. Alors, où c'est qu'ils sont maintenant? Ah. Allez. Ouais. Ok. Dégage. Ouais. Bah oui, je fais de la magie, quoi. C'est pour te protéger. Ok. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Ça va arriver encore. Donc ouais, c'est pas évident en vrai, cette quête, parce que des fois il y en a un qui s'échappe un peu pendant que t'es en train d'en frapper un ou deux. Et bon, après c'est pas en couille quoi. Les ghouls. Allez, dégage. Allez. Pour l'instant ça se passe bien. Ok. Bon, toujours pas fini. On va avoir encore une vague. C'est un peu le mode zombie de Call of. C'est par vague. Ok. Mais, Nick s'est barré. Vous voyez? Là, il se barre. Vraiment. Putain, fait chier. Oh là là, voyez, ils m'ont trollé là. Ah oh, putain, non non dégage. Oh non, il y en a un qui est mort. Alors oh non, attends. Voyez, alors je sais pas, alors ça a pas échoué la mission donc c'est pas grave si y en a un qui est mort, j'ai l'impression. Oh ils m'ont trollé les enfoirés. Oh, ok c'est bon. Beau boulot sorceleur. Tiens. Voilà ta part, comme pour vous. Bon, on a réussi, mais c'était pas évident, ouais. C'était pas évident. Bon ben nickel. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, je pense. Est-ce qu'il y a une petite quête secondaire à faire juste à côté? S'il y a un petit truc autant à faire. Ah, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Peut-être là-bas. Il n'y a pas grand chose en vrai. Il y a un marchand. On va aller voir le marchand. Tiens. Alors, on va aller voir le marchand avant. On va voir s'il y a moyen de faire une petite partie de Wint ou s'il a des choses intéressantes. On va faire ça. Et après, on va s'arrêter. Ah, mais. Ok. D'abord, il faut aller parler au mec là pour les papiers. Donc, on va aller lui parler. Au moins, ça va finir la mission. Tranquille. Il est où? Il est là. Ok. Corbeau, vous cherchez un laissez-passer? Je peux vous faire un prix d'ami. Ça tombe bien, j'ai déjà croisé votre beau-frère et ses hommes. Ils peuvent travailler en paix, rassurez-vous. Ah, parfait. Voilà qui change tout. Je vais y réfléchir. Au revoir. Je prends pas, j'en ai pas besoin. Pas dépenser 25$ pour rien. Donc, monsieur le marchand. C'est lui qu'on a libéré, je crois. Oh, il a rien. J'ai très volontiers un coup d'œil. Il a pas de carte déjà. Oh, il a que dalle. Que dalle. On va lui vendre des trucs. Ok. Tout ça, on en a rien à foutre. Voilà, allez. Bon, bah, allez, on va laisser. Ok, bon. Ah, mince, il faut. Je les ai déjà aidés. Ça tombe. Allez, va, on va lui payer. Voilà. Parce que sinon, le point d'exclamation disparaît pas et c'est stressant. Ça fait 2 points d'expérience. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Bon, allez, ben, ce qu'on va faire, c'est que. On va regarder, il n'y a pas d'autres marchands ou quoi? Non, je crois pas. Il semblait qu'il y avait un forgeron ici, non? Non, bon mais c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère que cela vous aura plu, on se retrouve très vite pour la suite de The Witcher 3. Allez, peace, prenez soin de vous.